Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Spirale, l'héritage de Saw, qui est sorti en salle le 21 juillet 2021. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Il est réalisé par Darren Lynn Bousman, qui avait déjà réalisé trois volets de la saga Saw, Saw 2, Saw 3 et Saw 4. Et oui, il faut qu'on parle de ce film. Pour l'histoire, on va donc suivre l'inspecteur Ezekiel Banks, qui est incarné par Chris Rock, qui est affublé d'un nouveau partenaire, et ensemble, ils vont devoir enquêter sur une série de meurtres macabres qui semble tout droit inspiré par un tueur en série bien connu, John Kramer alias Jigsaw. Quand l'annonce de ce nouveau film a été faite, j'étais plutôt surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait une suite à la saga Saw. Ici, c'est donc le 9e volet. La saga Saw, je ne suis pas une grosse fan de ces films, mais ce sont des films que j'aime bien revoir de temps en temps pour le plaisir, voilà, se faire un petit marathon Saw, je trouve ça toujours cool. Pour moi, même si on n'aime pas forcément cette saga, c'est quand même une saga qui est majeure dans le cinéma d'horreur, notamment le tout premier film, Saw, qui est sorti en 2004, qui a été réalisé par James Wan. C'était un film qui a lancé le sous-genre du torture porn avec Hostel. C'était un genre qui n'était pas vraiment affirmé, entre guillemets, à cette époque-là. Et voilà, ça a été vraiment la pierre angulaire de ce sous-genre. Le premier, je l'adore, je le trouve magistral, je trouve qu'il est inégalable dans ce style. Donc une suite, bon, ça ne disait rien qui vaille, j'étais un petit peu curieuse quand même de voir ce que ça allait donner. On comprenait assez rapidement que ça allait se détacher de ce qui avait déjà été fait, puisque le film s'appelle Spirale, l'héritage de Saw. On se doutait que ça allait être inspiré de la saga, mais que ça allait pas forcément s'intégrer à ce qui avait déjà été fait. Il y a quelques points que je trouve tout de même intéressants dans ce film. Je vais essayer de les dégager un petit peu de tout ça, même si je trouve que l'ensemble est raté. Pour moi, c'est vraiment un flop, ce Spirale. Mais j'ai trouvé intelligent le fait que le film fasse le parti pris en fait de se concentrer essentiellement sur le récit et non pas sur les tortures. Pourtant on sait que c'était le point central de la saga Saw. Voilà, à chaque fois on attendait des tortures de plus en plus violentes, spectaculaires, surprenantes, inventives, etc. Ici on va se concentrer vraiment sur le récit, vraiment sur l'histoire de cet inspecteur Banks. On comprend assez rapidement que c'est un policier qui a un passé assez compliqué dans le sens où son père, qui est incarné par Samuel L. Jackson, a été le chef de la police pendant de très nombreuses années. C'est un homme qui a suscité énormément d'admiration, de respect, et donc Ezekiel a dû se construire dans l'ombre de son père. Et en plus de ça, c'est un policier qui est vraiment impliqué en fait dans son travail, qui est vraiment droit dans ses bottes et qui ne va pas hésiter à dénoncer ses collègues s'ils font preuve de violence ou de corruption. Ce qui fait que ses collègues ont énormément d'animosité vis-à-vis de lui parce qu'on comprend que ce sont des policiers qui sont très solidaires les uns des autres et qui vont plutôt avoir tendance à se couvrir quand l'un d'eux fait une erreur plutôt que de le dénoncer. Donc voilà, il est un petit peu seul contre tous, il va se retrouver affublé d'un nouveau collègue qui est très admiratif aussi de son père mais qui voilà, a envie de prendre la suite, etc. Le film va donc nous parler de tout ce qui est corruption et violence policière. C'est un sujet qui est très actuel, qui est vraiment dans l'air du temps, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, surtout aux États-Unis. Et le film va nous montrer en fait quelles conséquences cette corruption policière peut avoir par la suite. Je trouve que l'idée de base est franchement intéressante. Ils ont mis de côté les tortures, je trouve que c'est un choix qui est tout à fait compréhensible, voilà. Les tortures, elles sont plutôt pas mal, il y en a 4 ou 5 il me semble, elles sont assez inventives, voilà, elles sont assez sanglantes. Le film est interdit au moins de 16 ans, je comprends pourquoi, parce que c'est quand même assez graphique. Mais je comprends ce parti pris là, mais le problème pour moi c'est que le scénario tient pas vraiment la route. Déjà on comprend très rapidement qui est le tueur, je trouve qu'au bout de peut-être 20 minutes de film, l'identité du tueur nous paraît plus ou moins évidente. Du coup, quand il y a cette fameuse scène de la révélation, qui est une scène emblématique dans chacun des films Saw, il y a toujours le thème principal qui commence, et là on va avoir enfin toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place pour découvrir l'identité du tueur. Ici, ça tombe un petit peu à plat, parce qu'en fait, on se doute très bien de qui est le tueur, même si on espère avoir une petite surprise à la dernière minute. Eh bien non, on avait raison depuis le début. Le scénario est un petit peu plat, un petit peu léger. Après, on sent qu'il y a énormément d'inspiration de ce qui a déjà été fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo des 21 films qui étaient prévus pour 2021. Je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Mais j'avais l'impression que le film se passait dans les années 90. Je trouvais qu'il y avait une vibe un petit peu à l'ancienne, en fait, dans la bande-annonce. Et en fait, je l'ai compris en voyant le film. Parce que ce film me fait énormément penser à toute cette série de thrillers psychologiques qui avait suivi la sortie de Seven de David Fincher. Après la sortie de Seven, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu des tas
de thriller qui mettait en scène souvent deux policiers qui devaient trouver l'identité d'un tueur en série. Et en fait, je trouve que le film ressemble vraiment à ça. Il a un côté un petit peu à l'ancienne. Alors, je pense que c'est voulu, hein. Je pense que l'inspiration de Seven aussi est voulue. Il y a des scènes qui sont très ressemblantes, même si voilà, il n'y a pas la maestra de David Fincher derrière. Mais pour moi, ce qui pêche vraiment dans le film, mis à part ce scénario un petit peu léger, etc., c'est vraiment l'interprétation de Chris Rock. C'est un acteur que j'aime bien, que je trouve vraiment très drôle. C'est un acteur comique à la base. Personnellement, j'ai déjà regardé ses spectacles de stand-up. Je le trouve vraiment drôle. C'est quelqu'un qui me fait vraiment marrer. Mais je trouve qu'il est complètement en décalage ici dans la saga Saw. Alors, je suis vraiment désolée pour lui parce qu'apparemment, c'est un fan des films et c'est grâce à lui en fait que la saga a été relancée. Il a été contacté par Lionsgate pour pitcher ce nouveau film. C'est pour ça qu'il est crédité au niveau du scénario. Mais sincèrement, même si il est fan de la saga et qu'il avait des bonnes idées pour la suite, je trouve qu'il ne correspond pas du tout à l'esprit de la saga. Il est vraiment en roue libre pendant tout le film. Il est dans l'excès le plus total, même ses expressions, ses mimiques. Je trouve qu'on a plutôt tendance à rire en fait quand on voit son personnage, tellement il est dans l'abus tout le temps, plutôt qu'à être hyper impliqué derrière lui. Et en plus, c'est vraiment de pire en pire dans le film, ça monte vraiment crescendo. Il essaye de faire le mec hyper sombre, hyper torturé et tout, mais ça fonctionne pas du tout. Pour moi, peut-être que ça aurait un petit peu mieux fonctionné avec un autre acteur principal. C'est un film finalement qui est vraiment anecdotique par rapport au reste de la saga. C'est pas vraiment un film d'horreur en plus de ça. Voilà, on est plutôt dans le thriller psychologique. Pour moi, c'est vraiment un film qui fera pas date. Et ce qui me surprend énormément, c'est qu'il y a déjà des suites qui sont dans les tuyaux. J'ai lu ça, donc je suis vraiment surprise. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire par la suite. Mais en tout cas, pour moi, même si j'en attendais pas grand-chose, eh ben, j'ai quand même été déçue. Voilà. Parce que j'aurais aimé être surprise, j'aurais aimé passer un bon moment. Alors, je ne l'ai pas complètement détesté. Mais pour moi, c'est pas un bon film, c'est pas un bon Saw, ça n'a rien à faire là. Ça aurait dû être en fait un film indépendant de la saga Saw. Voilà. Et je pense que le fait d'avoir voulu l'intégrer à la saga, c'est ce qui fait que la déception est d'autant plus grande. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir Spiral, l'héritage de Saw, et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!